around the world, been to many places, and I've seen beautiful faces. And sometimes I get lost, wishing I could have everything, but everything is nothing without you. I'll be so incomplete. Et bonjour à tous, bienvenue sur le live. Aujourd'hui, on se retrouve sur du Final Fantasy XIV. Et bien, du coup, lançons le jeu, je crois que c'est le moment, n'est-ce pas? Donc, on va retourner sur notre e-roll. Et on va... Voilà, juste continuer l'histoire, je pense. Pardon. Je tousse un peu. Voilà, le jeu, l'image est OK. On va pouvoir la mettre sur le live. Je vais revoir un peu tout ce qui est en placement. On va voir si tout est OK. Déjà, l'image jeu ne s'affiche pas. Qu'est-ce qui se passe? Pas l'air de fonctionner là, tout de suite. Ça n'a pas l'air de fonctionner là, tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Ok, alors je crois que c'est comme, j'ai le même bug que tout à l'heure. J'avais fait quoi? J'avais fait ça.
Voilà. Et voilà. Là, on voit que la caméra elle gêne un tout petit peu. On va mettre plutôt là. Du coup, le chien-chien, on va le décaler. Et le compteur de viewers également. Voilà. Ça gênera un peu moins. Donc, du coup, je pense que on va pouvoir mettre FF14 avec Guild Wars 2 du coup sur les scènes. Ça devrait être ok. On va juste enlever FF14 de là. Hop. Je change un peu la disposition. J'essaye de trouver un truc assez satisfaisant. Donc petit à petit, on trouve des solutions, comme on dit. Donc voilà. Bienvenue sur le live. Aujourd'hui, on va essayer d'avancer sur les quêtes d'épopée. Je veux dire, bonjour en guilde. Toujours penser à saluer les gens. Hop. Pour le coup, le son du jeu est un peu bas. Tu entends bien le son sur le live ou pas? Le son du jeu. Demande à Elfis, c'est toujours pratique. Alors quelqu'un pour nous dire c'est le son du jeu. Moi je vais l'augmenter. Je pense que je vais le garder bas sur mon casque et l'augmenter directement dans le jeu. En fait l'autre jour j'ai fait des cartes au trésor avec les gens et comme j'étais fatiguée je ne les entendais pas bien. Enfin donc du coup j'ai baissé le son du jeu. Là on va augmenter. Ce qui fait que vous allez devoir... Enfin, je pense que vous allez entendre beaucoup mieux. Je baisse le son sur le casque pour pas que ça me claque les oreilles non plus. Et je crois qu'on est absolument paré pour l'aventure. La clochette nous dit que tout est ok. Tout est en ordre, normalement. Je vais porter plainte. Pourquoi? Tu m'as mis comme servant. Ah oui. Je m'en souvenais pas. Mon chocobo, ça... enfin ton chocobo, il s'appelait Taralina. Il n'y a pas de preuve. Reprends un abonnement. Il n'y a pas de preuve. Reprends un abonnement. Il y aura des preuves. Mais là, il y a une preuve là tout de suite. Ah, je peux aller sur l'autre stone et regarder. Sur l'autre stone, tu peux stalker des gens. Donc, bon. Notre quête disait qu'il fallait faire un rapport à Wedge. On cherchait Biggs, en fait. Donc, du coup, on va se TP ici. Ah, mais il y a Oriane! Attends, peut-être aller d'abord à Gridania pour les buffs de guild. Elle fuit. Ah, flûte. Alors, du coup, on a des quêtes ici. C'est quoi cette quête-là? Ah, piste sabreur. Oh, je m'y ferai jamais à celle-là. J'oublie à chaque fois qu'elle pop ici, moi. On va aller voir si on a assez de buffs de guild. Donc les buffs de guild, c'est les bienfaits. Là, on voit qu'on est à 10 sur 15. Et vaut mieux aller avoir fait le plein-plein, vu que je me connecte pas beaucoup. Ça leur évite d'avoir à en chercher régulièrement. Trop régulièrement, même. Donc, il manque terre et eau. Terre et eau. Il nous manque être en de bonnes mains. En de bonnes mains. Voilà, et le reste, on en a assez. Ensuite, il y a eu peut-être un peu de feu du combat. Ça, c'est pour l'XP basique. Et toujours beaucoup plus de prix d'amis, parce que c'est ce qui vous permet de vous TP à petit prix. Enfin, petit prix est déjà très élevé. Regardez. Nous avons Rianne. T'es sur le live, Rianne, c'est pas possible.
Alors, du coup... Oh, j'ai plein de trucs à échanger. Ah, oui, c'était que des choses que je voulais pas échanger, en fait. La ceinture, on s'en fout. Ça, c'est quoi? Ah, c'est les paraboles qu'elle avait au... au poignet. C'est bon, ça, je m'en fous. Ça, je peux échanger aussi. Et on va aller mettre le reste, je pense, dans la, la coiffeuse au mirage. Tout ça, là, je pense qu'on peut garder. Ça, par contre, la canne, est-ce qu'elle est jolie? Pas plus que ça, mais elle brille, on va dire qu'on la garde. Il faut le bordel exprès. Moi aussi, je sais faire des miracles, regarde. Moi aussi, j'en fais. Hop. Je vais à un endroit où tu pourras pas me suivre. Alors, non pas que je veux pas que tu me suives, mais c'est parce que c'est là-bas où j'ai ma, ma coiffeuse. Donc maintenant, tu sais tout de suite que je parle de l'auberge, si jamais tu es sur le live. Parce que, encore une fois, si tu n'es pas sur le live, en fait, je suis en train de parler toute seule. Voilà. Ça change pas d'habitude. Mais voilà. Mush, mush, mush. Pardon. Oh là. Ah, je me disais aussi... Tu es sur le live, bienvenue à toi. Comment tu vas? Je parle pas toute seule les gens, c'est bon. Presque pas. Donc du coup, au niveau de l'inventaire, tout ça. Ah, salut Ada, comment tu vas? Y'a Ada. Il te dit coucou. Y'a Elfis qui te dit coucou. Enfin, Dark Ultima ou Dark Croquette. Tout dépend comment tu l'appelles. Je vois que je lui donne de mauvaises idées avec Dark Croquette, non? Dans le Coertas, j'ai ma quête principale qui m'attend là-bas. Maintenant qu'on a fait le plein de buffs de guild, on peut y aller. Ça fait plaisir de vous voir. J'espère que vous allez tous très bien. Petite session Final Fantasy XIV jusqu'à 20h30. Et mon désespoir, ça va être la marche à pied. Parce que clairement dans Guild Wars... Parce que c'est le jeu auquel je joue en ce moment beaucoup. Tu marches beaucoup. Mais quand, une fois que t'as les TP, tu peux te TP au plus près, quoi. Là, vraiment, t'as un ou deux TP par map, et après, faut marcher. Et là, ça devient un peu moins drôle. Après, c'est deux jeux très différents, et deux jeux très sympathiques. Ils ont chacun leurs forces et leurs faiblesses. Ce qui en fait des jeux très intéressants. Voilà. Donc là, du coup, ce qui s'est passé, c'est que nos copains héritiers se sont fait enlever par l'Empire. Mais deux se sont échappés. Et pour semer les gardes qui les cherchaient, les gardes impériaux qui les cherchaient, en fait, ils se sont séparés. On a retrouvé un, on n'a pas retrouvé le deuxième. En sachant qu'on a nos autres compagnons qui sont encore, eux, captifs. Il va falloir qu'on trouve une solution. T'as joué longtemps à Guild Wars 1. Guild Wars 1 était sympa. Par contre, au bout d'un moment, t'étais obligé d'être à plusieurs. Parce que moi, j'y ai joué aussi. Ah, le moine. Le moine qui pouvait. Il, je crois. Hein. Dark Rocket. Ça l'a fait rire. Dark Rocket, ça l'a fait rire.
Il s'est claqué par le taf là, je crois. Je suis pas dispo maintenant. Il cligne des yeux en mode j'ai entendu, mais il y a personne. Akara, tu es revenu et tu as trouvé quelque chose dans cette grotte. Aucune trace de Biggs, je vois. Ce n'est donc pas par ici qu'il a dû aller. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de grave. 1055 HP aussi. D'accord. Moi, je me souviens juste de la mission où tu devais être à plusieurs forcément pour t'ouvrir les portes. Genre, la partie tuto, elle était plutôt simple en solo. Et après, t'avais la partie où t'avais une mission où ça t'ouvrait des portes et fallait le faire à plusieurs. Je trouve qu'il fallait être au moins deux pour ouvrir la porte, un truc genre. Et je crois que j'ai réussi à le faire qu'avec un seul personnage, une fois. Et après, dehors, c'était la merde. C'était l'enfer. Aucune trace de Biggs, je vois. Ah, ok. La quête était donc déjà finie. Écoute, Kara, même si Biggs n'est pas allé à l'œil de la conquérante, j'ai le sentiment qu'il ne doit pas être très loin. Mais j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose de mal. En admettant qu'il ait réussi à semer les soldats impériaux, il risque de mourir de froid avec le temps qu'il fait dehors. Il faut le retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Vous remarquez que mon chocobo est en train de cuire. Madame Abelli m'a dit que Monsieur Ignace, qui vit ici, connaissait très bien le recoin de la région. Peut-être que lui, il sait où pourrait être Biggs. Tu veux pas lui demander, s'il te plaît, je suis trop frigorifiée pour m'éloigner du feu. Tiens, chocobo a cuit. Hein ? Ah, Oriane qui... Vas-y, fais-nous un petit défilé de mode, Oriane. Il fait cuire encore plus... Mon chocobo, derrière toi. Ça, c'est le dancer. Vas-y, montre-nous tes armes. Ok, il a fait chevalier noir et paladin. Avec le sort avec les belles ailes. Qui donne un petit bouclier aux alliés. Là, c'est le mage noir. Le barde. Le samouraï. Avec une belle lame. Le moine, du coup. Le mage blanc. Le mage rouge. Ah, c'est pas ma classe sur celui-là. Le ninja. Et le crapaud, il est où le crapaud? Le chevalier noir. Ouais, elles sont chouettes, tes armes. Alors, l'invocateur ou l'érudit, du coup? Ça, c'est l'astro. Le dragon. Chevalier dragon, même. Excuse-moi, j'oublie pas une partie de ton titre. Quand il saute en arrière, il ouvre les portes. Le pistolet sabreur. Avec la gunblade. Et on est revenu au dancer. Voilà. Une petite présentation rapide de ce que peuvent donner les classes HL au niveau du visu des armes, en tout cas. Donc voilà, je pense que le PNJ que je cherche est en haut. L'avantage de pouvoir voler sur cette map, c'est exactement ce qu'il vient juste de vous montrer.
Regarde. Moi aussi j'ai le droit à la monture. Mais je peux pas monter. Ah, je vais tomber. Donc Ina, c'est là. Allez, c'est vous qui cherchez un de vos camarades ? Abelli m'a dit que vous étiez allé voir à l'œil de la conquérante. Si votre ami n'était pas là-bas et que vous ne l'avez pas croisé en venant de Zemael, ça ne laisse guère d'autres possibilités que les environs du camp de la Red Blanche, à mon avis. Il se trouve que je connais un passage souterrain qui mène... qui permet de se rendre là-bas assez rapidement depuis cette tour. Il s'agit du défilé de Danifen. Il est facile de se perdre par ici, mais si vous suivez la route et passez près du fragment de Dalamud, vous devriez arriver à l'entrée de cette grotte assez facilement. Faites toutefois attention aux monstres qui rôdent dans la région. Je prie pour que vous retrouviez votre compagnon indemne. Il est assez sympa. Pour le moment. Allez, on redescend. On redescend en moto. Parce qu'on n'est pas des casse-cous. Voilà, la descente en moto, elle serait plus rapide comme ça. Dans le feu. Allez. Je vais dire bonjour à Aïd qui vient de se connecter. C'est par là. On va essayer de remonter la pente. Même si je pense qu'en fait c'était peut-être... C'est en haut là-bas. Donc t'es pas obligé de remonter à ce point la pente. Pas nécessaire. Oh, il y a Shtola et Ida. Ah, regardez. C'est ça qu'on va devoir affronter. Et ils ont chopé Biggs. Let's go. Inutile de résister, tu es fait comme un rat, viens juste gentiment avec nous et tu auras la vie sauve. Quelle bande de sangsues! J'aurais jamais cru qu'il me suivrait jusqu'ici. Comme tu peux le voir, Biggs s'est fait prendre par les soldats Garlemalde. Viens, je te la. Nous devons agir vite. Il est à bout de force. Tu as raison. Nous n'avons pas de temps à perdre, mais je crains qu'il y ait plus de soldats impériaux dans les environs. Rah, et puis vite. À l'attaque! Peu importe, on les dégomme tous. Mais d'où elles sortent, celles-là? Vous autres, restez pas plantés là et abattez-les. Si seulement ça, c'était si facile que ça. Non. On va essayer de tous les regrouper, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Je pensais que j'étais en cours de cast en fait. Non. Le petit fail. Encore plus. On va aller les rejoindre. Du coup, voilà. Était pas trop dur, ça va.
Ouf. J'ai mon gâteau. J'ai bien cru qu'il m'avait eu. Merci à vous trois d'être venus me sauver. Oh non, il est vraiment très faible. Il faut vite l'emmener quelque part au chaud. À tour de l'œil. Et Wedge attend là-bas, dis-tu ? Très bien. Vas-y en premier, nous allons nous charger de conduire Biggs à cet endroit. En tout cas, il y en a un qui va être rudement content de revoir Wedge, et c'est Biggs. De revoir Wedge et Biggs, c'est bien Sid, c'est plutôt ça. Même si en vrai, je suis sûre que Wedge sera très content de revoir Biggs et inversement. Techniquement, c'est Sid qui ne les a pas vus depuis tellement longtemps. Et donc du coup, on va y rendre la quête. Kara, je te suis infiniment reconnaissant. Ayashtola et Ida aussi. Sans vous, Biggs et moi, il n'y a pas de quoi, Wedge. Vous ne pouviez pas laisser aux prises. Nous ne pouvions pas vous laisser aux prises avec ces brutes d'impériaux après tout. Ida a raison. Et puis tout ceci n'aurait pas été possible si vous n'aviez pas eu le courage de vous enfuir. J'ai vraiment eu peur, vous savez, et j'ai vraiment cru que je reverrais jamais Biggs. Kara, merci encore d'être intervenu. Sans toi, Yashtola et Ida, ces soldats, Garlemaldais, m'auraient sûrement fait la peau. Merci aussi d'avoir pris soin de Wedge. Ça fait déjà deux fois que tu nous sauves la mise. Nous ne l'oublierons pas. Wedge, Biggs, quelle joie de revoir vos bouilles. À tous les deux. Désolé de ne pas être arrivé plus tôt. Maître Sid, je suis tellement heureux de vous revoir. Oui, Wedge, et moi, on a vraiment cru qu'on vous avait perdu, maître. Vous n'allez quand même pas me faire pleurer, hein? Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous est arrivé pendant tout ce temps? Que s'est-il passé au refuge des sables justes? C'est l'Empire, ils nous ont attaqués par surprise. Wedge et moi, on était en train de réparer une machine dehors quand c'est arrivé. Ça s'est passé tellement vite qu'on n'a rien pu faire et ils nous ont fait prisonniers. Mais je ne comprends pas, les immortels ont pourtant une garnison qui surveille l'accès à la baie des Vêpres. Comment l'Empire a-t-il pu attaquer sans être repéré? Oui, en retournant au refuge, Ida et moi, nous n'avons pas constaté la moindre trace de combat dans la baie des Vêpres, ni à Horizon. Ou alors, ils auraient utilisé la technologie de déplacement spatio-temporel des Asiens? Et après l'attaque? Il y avait Papa Limo et Minfia avec nous. Les soldats Garlemaldais nous ont bandé les yeux et après quelques temps, on nous a fait monter à bord d'un aéronef impérial. Comme nous étions enfermés dans un coin de cale, nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé ensuite. Si l'aéronef s'était arrêté quelque part, d'après ce que j'ai entendu, c'était une base appelée Castrum Sentry. Ils ont gardé Papa Limo et Minfia là-bas. Mais pas nous deux. Castrum Sentry, voilà qui corrobore avec les informations de Yashtola. Et comment avez-vous fait pour vous enfuir? À Castrum Sentry, on nous a fait monter dans un autre aéronef à destination de Garlemald cette fois. C'est à ce moment que Biggs et moi avons élaboré un plan après le décollage. Nous avons provoqué une avarie qui a forcé l'aéronef à se poser en urgence
et nous en avons alors profité pour nous enfuir. Je te reconnais bien là, Biggs. Tu as toujours eu ce genre d'idée. Beau travail à tous les deux. Kara, je te suis vraiment reconnaissant de les avoir retrouvés. Cette histoire laisse pas mal de questions en suspens, mais le plus important, c'est que nous ayons récupéré mes braves gars, autour de Minfilia et de Papa Nemo maintenant. Maintenant qu'on est de nouveau réunis, les forges de Garlond vont pouvoir reprendre du service. Vous êtes prêts à vous remettre au boulot, vous deux? Avec joie, maître. Kara, merci encore d'avoir sauvé Biggs et Wedge. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux de les retrouver sains et saufs. Nous n'avons toutefois pas trop le temps de nous réjouir, il faut libérer Minfilia et les autres au plus vite. Avant d'essayer d'infiltrer Castrum Sentry, je crois que nous avons tout intérêt à nous rendre au camp du glas des revenants au Mordona. C'est là-bas que doit se trouver la guilde des aventuriers de cette région, j'aimerais parler avec son responsable. Je ne t'apprends rien en te disant que c'est exactement le genre d'endroit où l'on peut glaner de précieuses informations. On y découvrira peut-être quelque chose d'intéressant pour notre affaire. Ok. Et donc, du coup, bah, il faut que je remonte. C'est ça? Ah non, c'est pour une autre quête. Là, il faut que je parle au responsable de la guilde des aventuriers au glas du revenant. À Mordena. On va se TP à Mordena. GG pour ton level up, Ozan. Et donc, du coup, on va passer par là. Oh, attendez, il y a une quête bleue. La quête bleue, elle est par là. Ça doit être à l'intérieur. Hop. Vous voyez, à l'intérieur, il y a Alice. Qui nous propose une quête bleue. Une armure arc-en-ciel. On va voir de quoi elle a besoin. Alors, c'est pas une quête principale. Hein, donc, du coup, on va passer les dialogues. Parler au responsable des aventuriers. Ok. Bon, écoutez, on la fera sur le chemin. Hein. C'est pas grave. Là, on a ça. Qu'est-ce qui vous amène dans le coin paumé? Dans ce coin paumé? Oh, vous voulez savoir ce qui se passe à Castrum Sentry? Il y a une raison pour ça? On cherche à libérer nos couples. Je vois. Vous avez des amis qui sont prisonniers là-bas. Eh bien, je hais ces satanés impériaux, moi aussi. Je suis tout à fait prêt à vous aider, mais ils ont récemment doublé la garde dans ce fichu camp. Et puis, il y a une rumeur qui circule par ici, à propos d'une nouvelle arme. Si vous voulez mon avis, il vaut mieux pas trop aller leur chercher des noises. Vous risquez d'y laisser des plumes. Je ne m'inquiète pas trop pour Papa Nemo et Sancred, mais Minfilia n'est pas vraiment habituée à se battre. Il vaut mieux que nous évitions de faire trop de grabuges. Ça ne nous laisse donc pas d'autre option que d'infiltrer cette base. Oui, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et puis, ils ont apparemment renforcé leur défense. Oui, nous risquons donc d'être repérés assez facilement. Autant entrer par la porte alors. Entrer par la porte? Tout à fait, nous allons attaquer les soldats en patrouille à l'extérieur et leur dérober leur armure magique tech. Nous n'aurons ensuite qu'à nous faire passer pour des impériaux et pénétrer dans le Castrum Sentry, ni vu ni connu, avec l'armure magique tech. Eh, c'est une bonne idée ça. On voit en effet des soldats sortir pour faire des patrouilles dans les environs de leur base. Et ils s'imagineront jamais que des Eorzéens puissent utiliser leurs armures magique tech. Et voilà, on a un plan d'action. Avant que vous vous lanciez là-dedans, je vous conseille de causer à Glomunt. C'est un garde ici. Il porte pas vraiment l'Empire dans son cœur, vous voyez. Et il sait pas mal de choses sur Castrum Sentry. Je suis sûre qu'il pourra vous aider. Ida et moi, nous allons garder un œil sur la base militaire. Impériale. Militaire, oui, sur la base impériale. Du coup, il n'y avait pas de militaire.
Même si je sais que les gardes Maden ne la tueront pas comme ça, je suis assez inquiète pour Mithunia. Ok. Retrouvons-nous lorsque vous serez prêts, à plus tard. Ok. Ida, quand je t'entends parler comme ça, je n'ai pas vraiment l'impression que tout ceci te rende nerveuse. Tu devrais pourtant. Si, si, je t'assure, mais je crois que toi, tu es trop tendu, Yashtola. Ça, c'est un peu les caractères différents, hein. Glomont est là-bas. Eh oui, c'est bien moi, Glomont. Qu'est-ce que tu me veux? Ne me dis pas que t'es un soldat impérial. Mais t'es une aventurière, toi aussi. Tu m'as fichu une de ces trouilles. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, au juste? Je ne sais pas. Je vois. Tu veux donc délivrer tes amis retenus par l'Empire, ça tombe bien. J'ai une dent contre eux, moi aussi je vais t'aider. Je sais un certain nombre de choses qui pourraient te servir, mais avant d'aller plus loin, il vaut sans doute mieux s'assurer de quelque chose. Je pense en effet qu'il est préférable de vérifier que tes compagnons sont bel et bien prisonniers à Castrum Sentry. C'est qu'il y a beaucoup d'entrées et de sorties là-bas, ces temps-ci, et puis à l'origine, c'est un informateur qui t'a renseigné. Je ne veux pas mettre sa parole en doute, mais il vaut mieux être prudent à mon avis. Il se trouve que j'ai découvert qu'un tuyau d'évacuation que l'on trouve un peu à l'écart de Castrum Sentry semble communiquer directement avec leur salle de commandement. Il est assez grand pour permettre à un être humain de l'emprunter, mais il y a malheureusement des grilles qui bloquent le passage. Ceci dit, on peut y entendre de temps en temps ce que disent les impériaux dans leur base. Assez con, ça. Assez con pour eux. C'est, à mon avis, le meilleur moyen d'apprendre si tes camarades sont effectivement enfermés à Castrum Sentry. Bonne chance. Et bah, plutôt utile le tuyau, quand même. Enfin, je parle de l'information du gars, mais du coup, c'est un tuyau au sens littéral aussi, donc... Donc on va aller, je crois que ça doit être par là. Et on a une quête ici. C'est la quête bleue de tout à l'heure qu'on a pris. C'est l'armure arc-en-ciel. On va passer le dialogue puisqu'il a l'air très long. Et en fait on nous a donné des pots de peinture. Voilà. Pour teindre le stuff. Ou les meubles, en fonction de votre utilisation. Donc voilà. Vous avez pu voir Elphys passer. Il va donc se reposer. Voilà. C'est par là-bas. Je ne vole pas. Triste. Alors, ma quête, elle est niveau combien? Elle est 44. Encore 6 levels pour finir l'épopée. Et 6 levels, c'est sans compter toutes les quêtes qui vont rester stagnées au niveau 50. Hein. Enfin, au niveau 50, après, t'as plein de quêtes 50. donc voilà. Mais on avance bien. On a plutôt pas mal avancé ces derniers lives sur F1 et Fantasy XIV. C'est plutôt une bonne chose. Donc du coup, courons avec le gros chocobo. Et essayons d'atteindre l'arrivée. T'es morbole, qu'est-ce que j'aime pas ça. Je suis pas là. Ça va, il m'attaque pas parce que je suis niveau 60 en vrai. Niveau 35, ça va, je m'en sors. D'ailleurs, j'ai un peu froid, je vais peut-être aller chercher une veste.
vous entendez les voix de soldats Garlemaldais. Alors, il en est où, l'interrogatoire des prisonniers? Ils ont révélé quelque chose d'utile? Non, cette femme appelée Minfinia n'a pas encore cédé à nos menaces. Pareil pour ses camarades, notamment cette Élézène. Il n'arrête pas de débiter des propos incompréhensibles. Au fait, la commandante Sas Junius a dit qu'elle voulait tirer de cette Minfinia. Ah, ce qu'elle voulait tirer de cette Minfinia. Sorry. Je crois qu'elle a parlé d'un pouvoir que cette femme a, mais que nous, Garlemaldais, ne possédons pas, ou un truc du genre. C'est le pouvoir de l'écho. Le pouvoir que nous-mêmes, on a également. C'est un peu comme la magie des hommes bêtes des Orzia. Moi, je n'en sais rien. Va donc demander à la commandante si ça t'intéresse tant que ça. T'es pas fou. Je risquerais de me retrouver au trou en allant lui poser ce genre de questions. Ah mince, c'est bientôt l'heure. Retournons à nos postes. Donc, on n'entend plus les voix des Garlemaldais. Et je pense que bah, ça veut dire qu'ils sont en effet retenus prisonniers ici. Et on va se TP à Mordona. Et je reviens vite fait, je vais chercher une veste, j'ai trop froid. Le chien boude, il est parti. Je sais pas si on le voit, mais derrière. Alors, du coup, c'est pas. Ah, il est là. Il a pas vu. Oh, y'a Alfino! Vraiment, Minfinia est saine et sauve. Et il y a d'autres prisonniers aussi. Voilà qui est très réconfortant. Nous allons donc pouvoir préparer leur délivrance. J'ai entendu Cid en discuter avec Glomont tout à l'heure. Vous devriez lui parler. Pendant ton absence, j'ai expliqué notre plan à Glomont. Il était très ravi à l'idée de dérober une armure magitech et de nous faire passer pour des impériaux afin de pénétrer dans Castrum Sentry. Glomont va se charger d'organiser les détails de l'attaque de la patrouille Garlemaldès. Pendant ce temps, moi je vais me mettre à autre chose. Tu vas voir, maintenant que j'ai ces braves Wedge et Pigs sous la main, je vais préparer un truc qui va nous être bien utile. Ok. J'ai besoin de ton aide. C'est pour ce que je veux préparer pendant que Glomont s'occupe d'organiser l'attaque de la patrouille Garlemaldès. Nous sommes très près de la base impériale ici. Même si nous réussissons à leur voler des armures magitech, il y a de grands risques pour que les Garlemaldais envoient un signal de détresse et notre plan tomberait à l'eau. Et donc, pour empêcher que cela arrive, je voudrais fabriquer un dispositif de brouillage radio. Par chance, j'ai découvert que les cristaux corrompus qu'on trouve près d'ici ont la faculté de convertir l'élément feu en foudre. Avec un peu de travail, je devrais pouvoir émettre des ondes qui bloqueront toutes les communications. Pour faire plus simple, cela nous permettra de couvrir les petits sons avec des plus gros. Nos amis impériaux ne pourront donc pas prévenir leur base lorsque nous les attaquerons. Pour pouvoir envoyer un signal assez fort, je vais avoir besoin de cristaux corrompus particulièrement puissants. J'aimerais que tu me trouves des endroits où il y en a avec cet appareil d'analyse. J'ai marqué sur ta carte 5 emplacements où je pense que tu pourras découvrir ce qu'il nous faut. Fais attention, il y a des chances que ça attire les plasmoïdes très vite. Vous savez quoi? Je vais faire une roulette. Trop lire. Ça m'a donné envie de faire un drôle. Donc là,
j'ai tagué pour une mission. Donc c'est un donjon aléatoire sur tous ceux que j'ai déjà fait. Voilà, tout simplement. Donc j'y vais en heal. Ça va être fun. Et on est tombé sur le bivouac. Mesdames et messieurs, le bivouac. Donc on a une humaine, une aura et une vire avec nous. Donc moi je suis le heal, il faut que je les maintienne en vie. Par contre j'ai pas accès à tous mes sorts pour la simple et bonne raison qu'il y en a certains qui ne sont pas disponibles à ce niveau là. J'ai en effet qu'accès aux sorts qui sont au niveau du donjon. Ceux qui sont plus haut level, je ne les ai pas. Par contre elle prend cher. J'ai peur pour la suite du donjon. Il va falloir qu'on se concentre parce que... Oh. Ouh, Seigneur. Salut Riba. Ça marche, bon appât à toi. Merci beaucoup. Voilà, je suis en train de la laisser mourir. Je fais besoin parce que je peux toujours le démonter avec ma compagnie maintenant. Donc voilà.
On essaye de rester concentré, c'est un peu compliqué. Faut vraiment pas que je laisse mourir. Ok. Normalement c'est assez simple, mais je trouve qu'il perd énormément de vie. Et j'avouerai que j'ai pas de réflexe ce soir. Voilà. Ça c'est dit. Un de par terre, plus que deuxième. Là, normalement, j'aurais pas tombé à court de mana. Bon, après, j'ai pas fait le rêve lucide, c'est ma faute. Mais si je tombe aussi vite à court de mana, c'est parce que je heal trop. Si je heal trop, c'est qu'il perd trop de vie. Techniquement, il y a une partie où, comme il tank, il devrait être capable d'encaisser un certain nombre de dégâts avant que. J'ai vraiment besoin de le heal, mais j'ai l'impression qu'il perd énormément de vie. Techniquement, un heal qui a un bon stuff, il peut tout prendre tous les mobs de là à au boss, et on doit pouvoir y arriver. Je pense que son stuff va pas être au top. Ça passe, hein. Mais à mon avis, stuff de niveau 30, il y a du stuff de niveau 26. Donc moi, je sais pourquoi je galère, ça y est. C'est un donjon niveau... Là, on est 35. On est rabaissé au niveau 35. Mais bon, ouais, grosso modo, c'est niveau 30 quelque chose. Il y a encore des trucs de niveau 20, donc forcément... Ah, l'item e-level 5, ça bloque un peu, quoi. Là, pareil, 17, enfin, c'est pas... Y'a pas un bon stuff. Là, clairement, il est en train de se stuff dans le donjon, en fait. Donc, forcément, ça peut expliquer pourquoi je galère et qu'il perd autant de vie et que je n'ai plus de mana. Des fois, il faut juste regarder le stuff de la personne et ça vous explique, ça vous dit long, quoi, sur le pourquoi. Tout comme des fois, t'as l'impression que le donjon, il va super vite parce que t'as des PS qui dépèsent beaucoup, parce qu'en fait, ils ont du stuff, mais très très bon. Et même si t'es stacké à un certain e-level, bah, le fait que, comme ils maîtrisent leur personnage quasiment à la perfection, ça se voit. A l'inverse, quand t'as un joueur qui galère, ça se voit aussi. Ça va pas être très très drôle sur le dragon de fin avec le poison.
Désolé, coup de barre qui arrive. Je pense que c'est le repas qui fait ça. J'ai pas bossé aujourd'hui, mais j'ai quand même fait 7-8 heures de live. Ça compte. Ça compte. Beaucoup. Surtout que d'habitude, quand j'ai ce rythme-là sur la journée, parce que j'ai quand même enchaîné, je me suis levée à 7h30, j'ai commencé à live vers 8h. Derrière, j'ai enchaîné jusqu'à 15h30 en live. D'habitude, quand j'ai ce rythme-là, le week-end, par exemple, bah, je fais une sieste. Là, j'ai pas dormi. Et mon chien m'a réveillé très très tôt ce matin. Je suis un peu claquée, je dirais. Ouais, ça va. Franchement, je suis en vacances, c'est cool. Heureusement que je suis en vacances, c'est cool. Donc voilà, tout va bien. C'est pas que je suis moins joyeuse ou moins... Voilà, c'est juste... un poil de fatigue. Je fais ma première mort sur Phasmo hier. Genre... à force de rester dans le camion, j'étais encore jamais morte. Voilà. Et une première fois à tout. Oh, attendez, parce que là... En fait, j'essaye de mettre un dot sur tous les mobs pour qu'ils descendent plus vite. Seulement, j'ai pas le temps, ils perdent trop de vie, c'est infernal. Du coup, on perd du dégât, en fait, au final. Parce que oui, c'est important. Même point heal de DPS un tout petit peu, c'est important. Vous verrez que sur le contenu HL, on demande au heal de DPS. Donc, autant s'habituer déjà, pas level. Bien sûr, le but premier, c'est de garder tout le monde en vie. Mais voilà, il faut aussi savoir DPS un tout petit peu. Donc, ne serait-ce que mettre les dots, c'est important. J'ai froid. On dirait que je suis dans le pôle Nord à faire ça, mais sérieux. Il y a chauffage en plus, hein, c'est ça le pire. Demain, je sais pas encore ce sur quoi je live dans la journée. J'hésite soit à rester sur du Guild Wars, soit à changer un peu, histoire... de voir d'autres jeux, genre j'étais bien tentée par du Tezo aussi. Ceci dit, je pense que je verrai ça plutôt la semaine prochaine pour alterner. Là, j'avais vraiment envie d'avancer un peu sur Guild Wars. Je verrai demain en fonction de mon humeur, demain matin. Donc soit je serai sur un DMMO en général, donc soit sur FF, soit sur Guild Wars, soit sur Star Wars, soit sur Tezo. Du coup, je pense que ce sera surtout ça. Monster Hunter, je vais pas y jouer toute seule. Elfis, il travaille, donc ça va être compliqué. Donc voilà, du coup. Donc lui, il faut pas qu'il soit trop, en gros, dans les flaques, parce que sinon il se régénère de la vie. Ah, vous voyez, il a un espèce d'effet de récup, en fait. C'est parce que, justement, il récupère de la vie. Oh, putain, j'ai pas esquivé dans le bon sens! Je vais mourir du poison.
hein, le il est passé et il est mort, donc ça va, franchement on s'est pas trop mal débrouillé. J'ai réussi à garder tout le monde en vie malgré la fatigue, donc c'est plutôt pas mal. Là, je leur dis au revoir. Moi, j'essaye toujours de faire un petit emote à la sortie, un petit au revoir. Quand j'y pense, hein, parce qu'il y a des soirs où, très clairement, je ne sais pas faire deux choses en même temps. Ça, c'est tous les jours, plutôt. Pardon, c'est pareil. Oui, je suis pas multitâche. Ça va. Je l'ai jamais été. Et après, on dit, ouais, les femmes, ça doit savoir faire plusieurs choses en même temps, normalement. Et ben, c'est faux. Ou alors, je suis pas une femme. Ah, vous vérifiez. Donc voilà. Du coup, on a fait un petit donjon. C'était hors épopée. Let's go. C'est un plaisir que de t'aider. Salut Edward, comment tu vas? À faire tourner en bourrique ces chiens d'impériaux. Mais il y a un truc que tu vas devoir faire avant ça. Alors ouvre grand tes esgourdes et écoute. Les soldats Carlemaldais font un salut particulier. Lorsqu'ils se croisent, il est indispensable de savoir l'imiter pour leur faire croire que tu es des leurs. En toute occasion, ils commencent forcément par ce geste. Et donc, si toi et tes amis parvenez à pénétrer dans leur base, vous devrez en faire autant. Autrement, ils sauront que vous êtes des intrus. Ce que je propose, c'est d'aller te cacher près de Castrum Sentry et de les observer se saluer. C'est le meilleur moyen d'apprendre à les imiter. À mon avis, allez fonce, allez fonce. Ok. Comment ça va, Aïd? T'as passé une bonne journée? Moi non plus, je vole pas. Ça s'est vu. Donc, il y a des endroits où je dois aller. Destination juste là. Ah, j'ai deux quêtes principales. Ça explique des choses. Ça arrive que la quête d'épopée se divise en deux. Hein. Vous ne vous inquiétez pas. C'est normal. C'est pour montrer qu'ils font tout de concert et que tu aides à tout faire, je pense. Attendez, du coup, ce point-là, il est où? Je ne sais pas. On va faire le tour, on va voir. Peut-être qu'il faut que je monte, je ne sais plus. Ah, franchement, pour cette quête-là, je ne sais plus. Faut savoir que l'épopée, je l'ai fait qu'une seule fois. Le début, je l'ai fait plusieurs fois, mais là, cette partie-là, je l'ai fait qu'une seule fois. Du coup, je ne me souviens pas de tout. Je suis quand même beaucoup plus à l'aise sur ce jeu-là que sur Guild Wars, par exemple, parce que je connais quand même... J'ai passé plus d'heures, en fait, sur FF. Vraiment beaucoup plus. Ça va, tranquille. Un peu fatiguée ce soir, mais ça va. C'est les vacances, donc c'est cool. Ça va. Ah, tu es un VIP. C'est pour ça. C'est un rang que j'ai créé. J'ai mis des gens en VIP. Et tu en es un. Voilà. Tu viens régulièrement me rendre visite sur les lives. Ça mérite une petite récompense. Voilà. Je sais pas. Enfin, là, je peux plus le donner à quiconque parce que j'ai déjà 20 personnes. Je peux pas le donner à plus de 20 personnes. Mais bon. Tu as donc le statut VIP. Je sais pas ce que ça t'apporte, honnêtement. Mais pour le prestige et la gloire. On va dire ça comme ça. Donc voilà. Donc ça c'est bon.
faut que je retourne là-bas. Alors, c'est quelque part par là. En fait, il faut qu'on observe des impériaux se saluer. C'est pratique quand t'as la feuille, tu te caches partout. T'es caché même quand tu cherches pas à te cacher. Faut que j'aille à destination. Le prestige et la gloire. J'aurais bien dit GG à Elfis pour son niveau 77, mais il n'est pas là. Je sais qu'il n'est pas devant son écran. Frisson, pardon. Rien à s'y aller des curieux. Ah, c'est ce salut-là qu'il faut qu'on apprenne. Merci du rapport. Nous venons tout juste de recevoir un message anonyme signalant la présence de rebelles dans Mordona. Je vais ordonner à ce que l'on augmente le nombre de patrouilles autour de la base. Accompagne-moi. Oh, elle le fait bien. Fallait apprendre la poignée de main secrète, c'est bon. C'est fait. C'est un peu ça, tu sais. Si t'as pas le mot de passe, tu rentres pas. Bon, heureusement, c'est pas un mot de passe à retenir, tu vois bien. Et donc, du coup... on va discuter avec Cid. Tu as trouvé des endroits où les cristaux corrompus sont assez forts pour ce que je veux faire. N'oublie pas de me rendre le fulguromètre quand tu auras fini, d'accord ? Bah tiens, en fait, j'ai tout, monsieur. 4 emplacements qui devraient faire l'affaire, dis-tu. Très bien, je pense que ça nous suffira amplement. Bon travail. Bon, bah au travail maintenant, plutôt. C'était pas du bon travail, c'était autre chose. Tout va bien. Je ne sais plus lire. Voilà. Il faut dire ce qu'il y a. C'est pour ça que en ce moment, je privilégie des jeux où ça parle tout seul. Genre Star Wars, The Elder Scrolls ou autre. Skyfef, ça parle tout seul, mais rarement. Pas toujours. Alors, tu as réussi à retenir le statut impérial. Le salut. Le salut, pas le statut. Mais... Je m'énerve sur moi. Non, non. Ne me le montre pas. Ça risque de me rappeler de mauvais souvenirs. Je vais devenir violent. Tout ce qui compte, c'est que tu saches le faire. J'ai appris les modes salut impérial. Padadam. Et bien du coup, on va le mettre en raccourci. Pour saluer impérialement tous les impériaux. Hop. Voilà. Je t'ai énervé, monsieur ? Attends. On va tester hein, si c'est nerveux. Ils ont pas prévu qu'on irait le faire chier. Apparemment. Non, j'ai toujours pas fini Realm Reborn. En même temps, je joue genre 2h30 par lundi soir. C'est un peu limité. Faudrait que je joue plus pour pouvoir avancer. Mais ma quête est niveau genre... 46, tu vois. J'avance bien. En vrai, j'avance bien. Mon ami Glomunt m'a raconté que vous cherchiez à délivrer vos compagnons prisonniers des impériaux. En tant qu'aventurier et orzéen, j'aimerais moi aussi vous aider. Pour pénétrer dans Castrum Sentry, vous allez avoir besoin d'uniformes et de casques de soldats guerre le mal des, pas vrai? Il y a bien des moyens d'acheter ça, mais croyez-moi, vous ne voulez pas divulguer vos plans aux gens qui font le trafic de tels objets. Non, non, si j'étais vous, je serais plus prudent et j'opterais pour une méthode plus traditionnelle en me procurant cet équipement sur les cadavres impériaux. Salut Camus! Comment tu vas? Sur les cadavres impériaux, ok.
La zone fortifiée devant Castrum Sentry faisait constamment l'objet de patrouilles et il ne devrait pas être très difficile d'obtenir les tenues nécessaires aux membres qui doivent s'infiltrer dans cette base. Une fois que vous les aurez, je vous prie de me les montrer pour que je les examine. Eh ben, c'est moi ou... D'accord, je dois récupérer des uniformes Garlemaldais en espérant qu'il n'y ait pas de gens de l'Empire dedans, hein ? Voilà. Moi, ça va, tranquille. Tranquille. Un petit coucou. Mais c'est toujours sympa, un petit coucou. Ça fait toujours plaisir d'avoir des petits coucous comme ça. J'en ai régulièrement et je dois avouer que ça fait franchement plaisir de voir les gens s'arrêter, faire coucou. Même si ils n'ont pas le temps de rester, c'est cool, franchement, c'est sympa. Merci à tous pour votre soutien. C'est vraiment sympa. Et donc, nous en sommes là. Donc, ah, d'accord. En fait, faut que je les tue. Et après, je récupère leur uniforme. C'est presque pas mal, ça. J'aurais de quoi les faire à la chaîne. Là, j'ai des Sécutors et Ekes à tuer. Pourquoi pas? Merci Camouille pour le follow, c'est très sympa. Ancien joueur de FF, t'y as joué combien de temps? Ouh, attendez, ils font partie de mon bâtière. Tu t'es arrêté? Ouf, dis-moi tout. Pourquoi t'as arrêté aussi? C'est une bonne question. Je joue à plusieurs MMO RPG, dont FF14 et FF14. C'est l'un des MMO sur lesquels j'ai passé le plus de temps. Je dirais même, c'est peut-être celui où j'ai passé le plus de temps. Vraiment. Je me suis beaucoup investi dans ce jeu et en ce moment, c'est un peu... On attend l'extension, voilà. Il y aurait du contenu à faire, mais c'est pas forcément du contenu qui m'intéresse. Donc du coup, j'ai un peu freiné sur la dose de jeu. Donc du coup, en attendant, je profite de faire un petit reroll, de jouer sur d'autres jeux, en attendant l'extension qui arrive bientôt. Alors attendez, puisqu'elle a l'air un peu en PLS, la madame. Un mage noir qui se fait attaquer par du crapaud. Ne t'en fais pas, regarde madame. Bah, elle est carrément sur le plongeoir, quoi. Allez, vas-y, c'est ton monstre, attaque-le. Je le tank. Un récup et il s'est mis en colère, quand même, hein. Le mob, il a pas aimé. Co-farm les reliques. Ah oui, mais non, mais tu sais, les reliques, c'est tellement pas mon truc. J'en ai fait aucune de reliques. Dans tout le jeu sur FF, toutes les heures que j'ai pu passer sur FF, j'ai fait zéro relique. Là où j'ai été le plus proche d'atteindre les reliques, c'est Eureka. Et je l'ai pas fini. Donc bon, voilà. On va peut-être aller au plus court. Non. Ça ne m'intéresse pas. Si c'est juste pour me dire waouh, mon arme elle brille. Non. Vous avez obtenu les 3 tenues des soldats Garlemaldais. Welcome.
Mince. Comme je le craignais, tout est endommagé. Si vous portez ces uniformes et ces casques tels quels, vous et vos camarades risquez d'attirer l'attention des impérions. Sans aller jusqu'à les mettre à neuf, nous devons au moins les rendre présentables. Heureusement, j'ai prévu ce cas de figure à la maison des splendeurs de Rowena. Travaille un armurier du nom de Eginolf. J'aimerais que vous alliez lui demander son aide. Ne vous en faites pas, il comprendra. Je me suis permis de le mettre dans la confidence pendant votre absence, en toute discrétion, bien sûr. Tu vois, je suis pas la seule à avoir été traumatisée des reliques. Voilà. Non, mais les reliques, c'est un enfer. Enfin, moi, je suis pas venue là pour souffrir, tu vois. Voilà. Ah, on lui a parlé tout à l'heure, lui. Hop, qu'est-ce qu'il nous dit de beau. Ah, c'est vous, messire Sark Malark m'a prévenu que vous auriez éventuellement besoin de moi. En théorie, je n'ai pas le droit de travailler. Je n'ai le droit de travailler que pour Madame Rowena, mais elle a bien voulu faire une exception dans le cas présent. Qui aura-t-il pour votre service? Tiens, vas-y, tu me retouches tout ça? Restaurer ces tenues devrait être un jeu d'enfant. Bien sûr, j'opérerai dans le plus grand secret. Je ne voudrais pas risquer de trahir un homme de prestige. Un homme du prestige de Messire Sark Malark. Comment vous n'êtes pas au courant? Il est le fils d'une des plus grandes fortunes d'Ulda. Avant que je ne sois sous la coupe de Madame Rowena, il m'a souvent tendu une main secourable. D'accord, ok. C'est le petit Lalafel là, tu. À l'époque déjà, il vouait une grande admiration aux aventuriers, mais de là à imaginer qu'il en deviendrait lui-même un. Pardon, je papote. Et ces tenues ne sont toujours pas rabibochées. Prenez vos aises, je vous préviendrai dès que j'aurai terminé. Donc, petite ellipse. Et voilà le travail. En l'état, ces casques et ces uniformes ne vous protégeront en rien, mais au moins, vous ne détonnerez pas au milieu de la soldatesque Garl Maldès. Ok. Vous ne me devez rien, par contre, vous serez gentil de passer le bonjour à Messire Sark Malark de ma part. Il faut que je retourne voir le Lafel. Pardon, j'ai un peu bafouillé. Donc, du coup, là, je suis en train de me poser des questions. Je me dis, vraiment, si on l'a joué RP, d'accord? On a tué des gardes, donc on allait observer des gardes pour voir le salut, on a tué des gardes pour se cacher et être bien machin, on a tué des gardes pour les tenues. Vous pensez pas que les gardes malais, ils vont se dire, purée, ça fait un moment qu'on se fait tataner la gueule par terre, là? Y a pas un truc qui clash? On a augmenté nos patrouilles et on a plus de problèmes. Bref. Ah, j'ai pas parlé au bon. Vous avez fait réparer les tenues de soldats Garlemalais? Oui, monsieur. Impeccable. Et Ginolf n'a visiblement pas perdu la main depuis que je l'ai connu. Avec ça sur vous, vous devriez arriver à vous fondre dans la masse des soldats impériaux à Castrum Sentry. Ne craignez pas que les Garles Maldais devinent que vous n'êtes pas originaire de leur pays. Leur armée compte un grand nombre de recrues étrangères dans leurs troupes stationnées en Eorzea. Ah, t'as fait que des 80. Ouais, pardon. Ouais. Je pense que le principe est le même pour tous. C'est beaucoup de farm et c'est fatigant. Voilà. Pour moi, ça se résume à ça. J'ai eu un petit souci avec ma lampe, sorry. Donc du coup, vous voyez-vous, lorsque l'Empire annexe un nouveau territoire, il assimile également les gens qui l'habitent dans ces régions. Et ces conscrits sont ensuite envoyés dans d'autres pays à envahir. Un excellent moyen de prévenir les rébellions dans ces nations, si vous voulez mon avis. Bien, je crois que ma contribution à votre mission est finie. Je suis heureux d'avoir pu vous aider. Comment ? Vous vous demandez pourquoi une riche personne comme moi a souhaité vous apporter un coup de main?
Allons donc, je ne suis qu'un simple aventurier, rien de plus. Et je n'ai agi que dans l'intérêt de notre chère Eorzea. Ouais, une tenue moche, merci. Voilà. Tu as eu tes fringues d'Imperio ? Très bien. De mon côté, j'ai enfin terminé de mettre au point mon plan pour dérober une armure Magitech. D'après ce que j'ai pu observer, les unités qui patrouillent autour de Castrum Sentry en sont toutes pourvues d'une. Le problème, c'est que les rondes sont irrégulières et qu'elles ne s'approchent jamais du glas du revenant. Le fait que le niveau de sécurité ait été augmenté n'a rien changé à ceci. Pour faire sortir les impériaux de leur trou, j'ai pris la liberté de leur communiquer une fausse information. Je leur ai en effet fait savoir que des dissidents préparaient un coup contre leur base. Ce n'est pas très loin de la vérité, ceci dit. Hein. Toujours est-il qu'avec ça, nous devrions voir une augmentation des patrouilles et elles viendront sûrement plus près d'ici. Tout ce que toi et tes camarades auraient à faire, c'est d'approcher une de ces unités garlemaldaises avec vos uniformes sur le dos et de les avertir d'une présence ennemie. Il n'y aura plus ensuite qu'à les attirer aussi près que possible du glas des revenants. Dis-toi bien, cependant, qu'ils rechigneront certainement à s'éloigner beaucoup de Castrum Sentry. Si vous n'arrivez pas à les convaincre par les mots, je te conseille d'utiliser ce fumigène impérial. Je l'ai piqué à un de leurs éclaireurs. Lorsqu'ils arriveront, vous n'aurez qu'à leur mettre une bonne dérouillée et récupérer leur armure Magitech. Bon, si mes informations sont justes, il y a une unité garlemaldaise en patrouille dans les environs à l'instant même où je te parle. Ne perdez donc pas une minute et allez casser de l'impérial. Oh, c'était long. Tout ça pour aller me dire de casser de l'impérial. Je veux pas me TP, je veux la monture. Je clique même plus sur les bons trucs. Oui. Une monture qui vole pas. Un griffon qui vole pas. Parce que c'est pas magnifique. Le mec tout à l'heure était prêt à sauter. Sous la menace de deux crapauds. C'est drôle. Je vais faire le salut impérial au centurio garlemaldais. Faut peut-être que je mette la tenue, non? Au moment, il y aura un problème, sinon, non? Ça va choquer personne? Ah, attends, on va aller voir. Hein. Si je repasse juste comme ça, ça marche. T'es un de nos agents infiltrés, j'imagine. C'est bien de jouer ton rôle jusqu'au bout, mais ça que ça ne te fasse pas oublier les bonnes manières. Uniforme ou pas? D'accord, ok. Donc, l'uniforme, même si je l'ai pas, c'est pas grave. T'es un de nos agents infiltrés, hein. Continue comme ça, celle-là. Comment? Des dissidents se réunissent à l'est d'ici, dis-tu? D'après ce que tu me décris, ils sont au-delà de notre périmètre de patrouille. Mais j'ai horreur qu'on me dise que je suis négligent. Toi, retourne là-bas et garde un œil sur eux. S'il y a du grabuge, utilise ton fumigène pour nous rappeler. Ok. C'est cette armure-là qu'on veut. Let's go. Marcher dans Eorzea, une passion. C'est là où il faut que j'aille. J'utilise fumigène. Ça va me lancer une cinématique.
J'espère que ça ne te dérange pas que je m'incruste. Comme il s'agit de s'emparer d'un armement de pointe, je me suis dit qu'il valait mieux que je sois là. Allez, voilà. La fumée venait d'ici, mais je vois aucune trace d'ennemis. Chef, par ici! Ramenez l'armure Magitech. On va montrer à ces dissidents de quoi nous sommes capables. Moi, ça tombe bien, il me les faut pour mon bestiaire, c'est déjà. Alors, il y a lui. Il y a lui. Il y a lui. Il y a un miracle. Fin de la mission. Ça a été plutôt simple. En même temps, je suis largement au niveau. Hein. Ma quête est 46, je suis niveau 60. Et voilà, nous avons enfin notre armure Magitech. Quoique, je crois bien que nous y sommes allés un peu trop fort. Biggs Wedge, quel est votre avis sur ce tas de ferraille? Elle fume un petit peu trop, patron. Mais à part ça, sa structure externe semble plutôt en bon état. Je n'aime pas vraiment la forme qu'ont ses jambes. C'est malheureux à dire, mais je crains que le servomécanisme ne soit endommagé. T'es sûr ? Je pensais que ces choses devaient justement être bien protégées. La cuirasse ne semble pas avoir pris le moindre coup, non, je soupçonne plutôt la présence de pièces défectueuses. Quel que soit le problème, il est hors de question de dormir avant que cette machine soit de nouveau en état de courir. Même pas un petit somme. Pigé, Wedge ? Bla bla bla. Je t'ai entendu, hein. Un atelier a été mis à notre disposition au glas des revenants. C'est là que nous allons faire les réparations. Retrouve-nous la bagarre. Elle va bien en brune aussi. T'es bien en blonde, mais je l'aime bien en brune. Combien elle est ? Elle fume plus. Bon, eh bien, continuons. Ah. On lui met un petit recup, ça dure un petit moment, on va pouvoir faire quelques mobs avec. Elle devrait prendre son chocobo avec elle. Chocobo, il aide beaucoup en combat. Tu peux lui faire mettre des soins et tout. Au boulot, le lala, ouais, c'est ça. Il avait pas envie de bosser, je crois. Hein. Mais c'est marrant, j'aime bien. En fait, ils arrivent à te créer une atmosphère avec des personnages un peu vivants, tu vois. L'armure Magitech, Sid et les autres l'ont transporté dans l'atelier. Va donc les rejoindre. Ça, en fait, ça les rend attachants. Ils ont un peu de caractère, tu vois. Ils ont tous leur petit truc. Qui fait qu'ils sont uniques. Nous avons examiné l'armure Magitech de près. Notre conclusion est que la structure est indemne, mais le servomécanisme est défectueux. Mais n'aie aucune crainte, Biggs et Wedge sauront le réparer en un rien de temps. Donne-leur un jouet comme celui-là, et tu peux être sûr qu'ils vont y mettre toute leur énergie. Et toi, tu fais quoi, Sid, pendant ce temps? Hein? Hein?
Tu fais quoi, Sid ? Cela ne devrait pas prendre beaucoup de temps à Biz et Wedge pour finir les réparations. Cela dit, il y a un petit souci. Tout comme l'avait deviné Wedge, le cerveau mécanisme est défectueux. Plus précisément, le cœur Magitech qui fait marcher l'ensemble est complètement fichu. Il s'agit d'un instrument extrêmement fragile et qui nécessite d'être remplacé régulièrement. Celui de cette armure était déjà usé depuis un bon moment. Hélas, nous ne sommes pas capables de fabriquer le même genre de mécanisme ici en Eorzea. Mais Wedge m'a fait part d'une solution potentielle. Je crois qu'il a besoin de toi pour ça, Kara. Ah bon ? Petit Lalafel, tu as besoin de moi ? Comme le patron l'a dit, le cœur Magitech est hors d'usage. Nous devons trouver quelque chose pour le remplacer. J'avais pensé de te demander de subtiliser d'autres armures Magitech, mais nous risquerions d'attirer l'attention des impériaux en attaquant davantage de leurs unités. Mais je crois bien avoir une idée de génie. Nous pourrions utiliser un cœur d'automate à la place. C'est l'élément qui donne vie au pantin. Cela devrait suffire pour rétablir le cerveau mécanique d'une armure Magitech, à mon avis. Il faudra juste faire quelques ajustements au niveau de l'emboîtement. J'ai pris les devants et j'en ai commandé un à la guilde des orfèvres. Je te serais reconnaissant de bien vouloir aller le chercher à Ulda. Cela risque de coûter un peu, mais comme c'est pour la bonne cause, je suis sûre que ça ne te dérangera pas de payer de ta poche. Quel petit rat d'égout. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu es un rat d'égout. Ben tu vois, je retire ce que je pensais. Tu ne mérites pas Tataru. Tout va bien. Bon, let's go. Je le dis beaucoup aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Le let's go, c'est motivationnel. Alors, on a des quêtes. Donc, on a des quêtes ici. Ça, c'est pour le mage rouge, si je ne me trompe pas. Ah, non, le samouraï. Je me suis trompée. Le mage rouge, c'est où déjà? Je l'ai vu l'autre jour, je me souviens plus déjà. Par contre, lui, il a une quête pour nous. Révolte des cendres. Ah, c'est pour la quête des hommes bêtes. Vous savez, les quêtes tribales dont on a parlé la dernière fois. Eh ben, ça en fait partie. Donc ça, c'est le samouraï, ça, c'est la guilde des pugilistes, donc ça, c'est normal. Et la guilde des occultistes. Nous, il faut qu'on aille jusqu'à la guilde des orfèvres. Du coup, il va falloir qu'on reprenne le chemin jusqu'au TP. Au TP, on va aller... Orfèvre. Ok. C'est un lala, quoi. Je l'avais pas vu. Ouais, mais là, c'est quand même abusé, quoi. C'est moi qui fais tout le boulot et on me dit, bah, en plus, tu payes. J'ai bah, l'impression de me faire couiller, là. Une nuit de déshonneur. Une quête là-bas aussi. Serendipity. Bon. Merde, c'est la quête d'histoire. Je l'ai passée à toute vitesse. Pardon. On va agrandir le chat, on va lire. Elle me dit, bonjour, si vous désirez des renseignements sur le travail d'orfèvre, vous vous adressez à la bonne personne. Un cœur d'automate, vous dites ? Dans ce cas, je devine que vous venez de la part de Monsieur Wedge des Forges de Garlong. J'ai pris la liberté de choisir le meilleur de ceux que nous avons, parfait pour un pantin du plus haut calibre. Vous voulez savoir pour le paiement ? Oh, ça ne sera pas nécessaire. Ce cœur est destiné à l'usage personnel de Maître Alfino, n'est-ce pas ? Oh, elle nous le fait gratuit pour Alfino ! C'est bien d'avoir des relations, en fait. Malgré son jeune âge, il a été notre bienfaiteur depuis l'époque de mon prédécesseur. La guilde des orfèvres lui doit trop pour oser lui faire payer quoi que ce soit. Tenez votre cœur d'automate, j'espère qu'il vous donnera pleine satisfaction. Ok. Voilà. Je me suis un peu foirée, mais la boulette est rattrapée. L'avantage de pouvoir revoir les dialogues d'ailleurs, ça je trouve que c'est cool.
parce que des fois tu loupes des trucs, c'est un peu chiant. Là-bas, on a le gladiateur. Et on a dit, en fait, la quête, elle est au niveau... Ah, le vagabond rouge. Il est là! Je savais que c'était dans cette ville-là. Saphir. C'est quoi? C'est le marché, Saphir? Marché. Marché de l'avenue Saphir. On va y arriver. Le cerveau est en arrêt total. Oh, quelqu'un s'est connecté en guild, on va lui répondre bonjour. Bon, en réalité, je n'écris jamais bonjour, hein. J'ai écrit lu. Tu vois la nana qui a la flemme d'écrire. C'est pas bien. Donc, une vie de déshonneur. C'est pas une quête principale, donc voilà. Ça, je peux faire. Je peux faire ça. Lui, j'ai... Ah, le gouffre hurlant. Oui, c'est un donjon, ça. Donc... On a deux quêtes annexes. La quête de la petite Alamigo, qu'on va aller faire de ce pas. Hop. Donc la petite Alamigo, on va devoir débloquer la quête des hommes bêtes à Malja, si je dis pas de bêtises. La quête du gouffre hurlant, elle sera vite faite, normalement. Soit j'ai le donjon à faire, soit je le débloque, mais j'ai pas à le faire. On verra. J'ai rien contre les lanas d'habitude, mais là, là, il a fait fort. Il m'a déçu. Genre le petit Carbuncle. Carbuncle qui est une créature juste trop mignonne, regarde-moi ça. Et encore là, je trouve que la monture, elle est pas si bien faite que ça. Ça ne leur rend pas justice. Mais ils sont trop choupinoupinés. Qu'est-ce qui se passe? Faut que je fasse quoi? Attendre à l'endroit indiqué. D'accord. L'endroit indiqué, je le vois. Ah! T'es caché derrière un poteau. Je le voyais pas, moi. C'est pas très très sympa, tout ça. On dirait qu'il t'endort, le monsieur. Je le comprends, mais quand même. Oh, là, c'était violent, quand même. Donc là, c'est des Amalja qui combattent des Amalja. C'est un peu... En fait, ça vous explique pourquoi les Amalja sont divisés. Je passe à la cinématique. Ne m'en voulez pas. Je vous laisserai découvrir ça pas vous-même. Ce sont les quêtes tribales. Oh, c'est drôle de se voir avancer comme ça. Donc, quête tribale. C'est les quêtes des hommes bêtes. Et vous avez de la réputation auprès d'eux. Et plus vous leur rendez service, plus vous avez accès à des choses dans leur boutique. Vous pouvez avoir une monture, des items de décoration. Je sais pas, il y a des trucs un peu sympas. Voilà. Donc ces petites quêtes vous expliquent pourquoi, en fait, vous ne combattez pas tous les Amalja, mais que c'est que les méchants. Que les méchants Amalja. On va passer à la cinématique encore une fois. Parce que si on les regarde toutes, on n'avancera pas sur la quête principale. Mais je fais les quêtes bleues parce que c'est quand même vachement important à débloquer. Quête bleue, c'est vraiment très important parce qu'il y a des donjons que vous devez faire dans l'histoire et d'autres pas. Sauf que parfois, plus tard dans l'histoire, vous devrez retourner dans ces mêmes donjons pour l'histoire.
Parce que eux, ils n'étaient pas prévus dans l'histoire. Et si vous ne faites pas les quêtes bleues, bah, en fait, vous ne les débloquez pas. Donc, voilà. Enfin. Du coup, voilà. On va essayer. Vous savez ce qu'on fait dans ces cas-là? On a tellement de différences de niveau que ça la heal toute sa vie. C'est drôle. Les mecs, je te heal, tu peux te battre? Bon, il s'est dit non. Je pense qu'il s'est dit non. Bon, tant pis. J'aurais essayé de l'aider, mais il a préféré fuir. Alors, Chocobo qui s'est fait la malle. Chocobo, il a fait quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cool deck. C'est fini. Ok, on y retourne. J'aime bien les décors aussi. En fait, chaque jeu a son propre univers et c'est plutôt intéressant. Mildoir, j'aime bien l'effet peinture sur les dessins. Quand tu passes en cinématique, ça a un petit effet peinture qui s'affiche et tout. C'est assez sympa. FF, t'as pas du tout cet effet-là, mais l'univers est plutôt magnifique. Quitte à choisir, je pense que je préfère l'univers de FF, mais j'aime énormément l'univers de Guild Wars 2. Ça, c'est sûr. Il faisait partie de mon bestiaire, hein, donc... Voilà. Bien sûr, me battre avec eux, je veux. Je parle comme eux. Je pense que c'est bien. Quête tribale. Voilà. Donc voilà, on a débloqué les cœurs. Pardon. Les quêtes tribales. À la place de couvert, j'ai du cœur. Et donc du coup, je l'ai redit à l'oral. Et c'est comme ça qu'on voit qu'un cerveau bug très bien, n'est-ce pas? Le mug. Le mien bug. Hein, le mien est bug. C'est incroyable. Le mien bug très bien. Voilà. On va aller au point de TP là-bas pour le gouffre lent. Voir si on peut pas le débloquer. S'il faut le faire, on le fera. S'il faut pas le faire, on le fera pas. Hein. Je pense que c'est plutôt évident. Ok, donc on doit aller au fond là-bas. Heureusement, les fourmis ne m'attaquent pas. La fleur qu'il faut que je mette. Je passe les dialogues encore une fois parce que le gouffre hurlant n'est pas une quête principale. Là, vous voyez,
je n'ai pas de quête pour le faire. C'est-à-dire qu'il est pas obligatoire, en fait, finalement. Donc, j'ai pas besoin de le faire, je vais pas le faire. Je tomberai peut-être dessus en roulette, un de ces quatre, par contre. Voilà. Donc ça, c'est cool. C'est combien de sang ? Ah, allez, utilise un billet. Donc on en est là, et on doit parler ici. Tu veux entrer ? Pas la peine de répondre. Mes tâches qu'on te voit pas. Ok. Tu veux entrer ? Ok. On dit, tu veux rentrer ? Ne réponds pas. Mais vas-y discrètement. J'ai un peu bugué sur le coup. Donc là, tu as obtenu le cœur d'automate. Ah, j'ai hâte de voir si ça va marcher. Il y a intérêt que ça marche. Je suis pas payé pour, mais tu m'avais envoyé pour payer pour. Hourra, merci beaucoup, Kara. Ce cœur d'automate est magnifique. Ça a dû te coûter les yeux de la tête. Comment ? C'était gratuit ? Grâce à Alfino ? Je vois que venir d'une famille prestigieuse a ses avantages. Bien, trêve de bavardage. Il est temps de voir si ça marche. J'ai déjà préparé l'armure Magitech pour que le cœur d'automate s'y intègre parfaitement. Je vais juste régler la caméra un peu, la remettre un peu mieux. Ah non, je la règle dans l'autre sens. C'est pas le bon sens. Et voilà, elle est prête. Mise en route des circuits. Non, on voit toujours sur mon épaule. C'est que je suis pas au milieu ou ça se passe comment? Non, ouais, c'est ça. C'est que je suis juste pas au milieu. C'est mon siège. Il est un peu bancal. Vous voyez là, le dossier, il navigue avec moi. Voilà. Donc je sais jamais quand je suis droite ou pas. Donc je suis tout le temps un peu sur le côté. Elle a sûrement besoin d'une petite tape affectueuse. Youpi, ça a marché! Allez, on va lui faire un petit tour. Kara, à toi l'honneur. Wedge qui me dit... Ah, je l'ai raté. Hein. Installe-toi là-dedans, s'il te plaît. Nous y allons dès que tu es prête. D'abord, je voudrais que tu ailles aussi haut que possible sur cette formation de cristal. Si jamais tu as besoin de descendre de l'armure Magitech, reviens me voir et nous recommençons. Ok. Ah, c'est pas compliqué, hein. Faut juste avancer. C'est pas la peine de me faire faire le parcours du combattant. Aucune anomalie apparente au niveau des jambes. Bien, passons à l'étape suivante. Tu vas descendre en sautant et courir aussi vite que tu peux vers le nord. Alors, sauter par là en sautant. Hop. Ensuite, on va vers le nord. Non, aussi vite que possible, je suis au max. Hein. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Les articulations des jambes amortissent les chocs sans problème. Excellent, tu peux revenir ici maintenant. Yeah.
Le bassin reste stable même lors des mouvements les plus rigoureux. Parfait, je crois que ça achève nos essais. Merci pour ton aide, Kara. Voici mes conclusions pour ce test. La transmission est en bon état avec quelques ajustements. Nous devrions pouvoir en améliorer davantage les performances. Pour ce qui est du cerveau mécanisme, je crains qu'il ne soit pas aussi réactif qu'il devrait l'être, mais j'ignore pourquoi. Le cœur d'automate est pourtant en excellente condition et connecté correctement. Peut-être est-ce un problème d'ordre fonctionnel. Les cœurs Magic Tech ne servent qu'à transmettre des signaux alors que ceux des pantins leur donnent une intelligence, et cela induit aussi des émotions. Ah, je sais, l'armure a peut-être le sentiment de ne pas faire partie de notre équipe. Dans ce cas, il faut lui souhaiter la bienvenue. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour cette mission, n'est-ce pas? Alors, pour lui, c'était la bienvenue. Donc, accueillir. Donc, du coup, allons voir ce qu'il se passe. Je me suis sentie un peu idiot, mais j'y ai quand même mis tout mon cœur en vain. Je ne croyais pas trop que cette machine allait me faire une courbette de toute façon. Je suis sûre que tu te demandes si le cerveau mécanisme est important au point d'en arriver à ces pitreries. Sans cet élément, le pilote devrait contrôler manuellement le moindre mouvement de l'armure Magitech. Crois-moi, en plein combat, même les meilleurs auraient du mal à garder un tel engin debout. Utiliser un cœur d'automate à la place d'une pièce Magitech avait l'air d'être une bonne idée. Hélas, cela ne semble pas être compatible avec la technologie Garle Maldès. Wedge, il n'y a pas d'autre moyen d'aider notre pantin à se sentir mieux dans son nouveau corps? Je suis un peu à court d'idées, patron. Elle a juste l'air de ne pas l'aimer. Nous pourrions peut-être essayer de danser ou de l'encourager? Des impériaux, ils viennent pour récupérer l'armure. Malédiction. Nous n'avons aucun moyen de leur échapper ici. Bah, il suffit de les combattre. Qui a dit qu'il fallait s'enfuir? Voilà donc notre armure Magitech. Ça veut dire baston. C'est trop joli derrière. Subtilisé par le maître Cid Nangarland. Et se pourrait-il que cette aventurière soit celle qui ait vaincu les primordiaux? Appelez des renforts! Dans vos rêves. Cid a plus d'un tour dans son sac. Ici, unité de recherche. Nous avons retrouvé l'armure Magitech volée. Demande de renfort immédiat dans le secteur MD14. Base, vous me recevez? Centurio, nos transmissions sont brouillées par quelque chose. GG Aid pour ton level up. Sois maudit, Nangarland. Si nous ne pouvons pas la récupérer, nous n'avons qu'à la détruire. Par les 12. Kara, nous devons tout faire pour les en empêcher. Vous n'allez pas détruire mon nouveau copain. Enfin, ma nouvelle copine, l'armure. Je sais pas trop comment l'appeler. Le nom est en cours de... Et toi, tu reviens? Il est sérieux, lui? C'est moi, ton ennemi. C'est moi que tu cherches. Non! C'est moi, ton ennemi!
C'est bon, hein? Y'a personne d'autre? Sid, il combat? Attends, tu tapes avec quoi, Sid? J'ai pas eu le temps de voir. Sid, réponds-moi! Bon, les brèves, je ne saurai jamais. Il s'est tapé avec un marteau. Bon. Patron, regardez l'armure! Ah, elle a enfin accepté de donner signe de vie. Ça a mis son temps, mais ça m'arrive, Ekara. Nous allons enfin pouvoir nous infiltrer dans Cast Room Sentry et libérer nos camarades. Et voici la dernière touche! Un truc un petit peu voyant quand même, t'aurais pu attendre qu'on se soit infiltré avant de remettre ton logo des forges. Sérieux. Vous voir que c'est pas une armure magique ta classique. C'est de faire échouer la mission ou quoi? Le cerveau mécanisme est parfaitement opérationnel désormais, comme quoi on ne sait jamais à quoi s'attendre tant qu'on n'a pas essayé. Grâce au talent de Big The Wedge, l'armure Magitech on run littéralement. Nous sommes prêts. Nous sommes même fin prêts. Alors, du coup, laquelle d'après? Je ne sais pas laquelle c'est. Puisque tu es prête, nous allons pouvoir partir. Ah, tu es venue en fin de compte. Nous étions justement sur le point d'y aller. Ouais, je ne pouvais pas manquer l'occasion de vous souhaiter à tous bonne chance. Après tout, grâce à vous, mon souhait va enfin devenir réalité. Ça me rappelle que malgré toute l'aide que tu nous as apportée, tu ne nous as jamais expliqué pourquoi tu en voulais autant à l'Empire. Mais je n'ai aucune intention de t'y forcer, surtout si ce passé est encore douloureux pour toi. Non, non, ça ne me dérange pas du tout, bien au contraire. En fait, je meurs d'envie de vous raconter mon histoire depuis le début. Mais croyez-moi, elle n'a rien d'original. L'Empire fait souffrir tant de gens. J'avais une mère, c'était une femme bonne et généreuse, qui avait toujours le sourire aux lèvres. J'avais une petite sœur aussi, si petite et fragile, douce et gentille comme un ange. Nous n'avions pas grand-chose et vivions simplement. Mais cela nous suffisait et nous étions heureux. Mais malheureusement, les impériaux sont venus et nous ont tout pris. Lorsqu'Alamigo est tombé entre leurs mains, nous avons été emmenés dans un camp pour prisonniers. J'ai dû travailler dur là-bas pendant que ma mère et ma sœur devaient endurer bien pire. Ne pouvant supporter de les voir souffrir, j'ai essayé d'organiser une évasion. Nous étions à quelques malmes de la ville lorsque nous avons été découverts. Refusant d'être prises à nouveau, ma mère et ma sœur ont préféré se jeter du haut d'une falaise sous mes yeux. J'étais tellement anéantie par cet horrible spectacle que je n'ai pas résisté lorsque les soldats Garmaldais m'ont enchaînée et ramenée au camp. Quelques années plus tard, j'ai fait une autre tentative d'évasion et j'ai réussi. Je me suis alors juré de me venger et je suis devenu un aventurier, me perfectionnant au combat et gagnant quelques gifles pour vivre. Mais cela fait maintenant 20 ans et qu'ai-je accompli? Rien, voilà tout. En fin de compte, dans le peu de temps qui s'est écoulé depuis votre arrivée au Glas du Revenant, vous avez fait bien plus que moi en 2 décennies. Je crois que tu nous surestimes, Glomens. Tout ce que nous essayons de faire, c'est de délivrer nos camarades, rien de plus. Oui, mais lorsque vous les aurez libérés, vous avez bien l'intention d'affronter l'Empire, pas vrai? Il m'est arrivé d'aider d'autres gens par le passé, et cela m'a permis de calmer ma soif de vengeance.
ou bah, de revanche du coup. Mais quelque chose me dit que vous autres, vous allez me régaler avec ce que vous êtes sur le point de faire. Et cela te suffit vraiment, Glamunt, d'aider les autres. Si tu le désires, tu peux nous accompagner et te venger directement de l'Empire. Cette offre est certes alléchante, mais je crains de devoir la refuser. Il est vrai que je me suis juré d'avoir ma revanche, mais j'ai réalisé il y a bien longtemps que je n'étais pas fait pour me battre en première ligne. Certains me traiteront sûrement de couard, mais je préfère penser que je suis réaliste. Je suis plutôt douée pour ce qui est de faire des plans, d'organiser et donc aider les autres est ce qui me convient le mieux. Mais je crois que nous avons assez parlé de moi, il vaut mieux que ne pas faire attendre vos amis indéfiniment. Je prie pour votre réussite, que Ralr vous donne sa force. Il a l'air content. Partout où l'Empire va, il ne laisse que misère et dévastation. Pour le bien de tous ceux qui considèrent Eorzea comme leur patrie, nous devons mettre un terme aux ambitions de Gaius. Avant cela, il nous faut délivrer Minfilia et les autres. Biggs, Wedge et moi allons nous poster à l'est de Castrum Sentry, en dehors du périmètre des patrouilles impériales. Rejoins-nous là-bas et surtout n'oublie pas de mettre ta tenue de soldat Garamaldel, nous n'avons pas le droit à l'erreur. Ok. Ok, je sais pas pourquoi j'ai écrit ma monture. Donc, allons-y. Allons aider nos amis qui y ont été emmenés. La tenue, elle est sur moi, hein, donc je la mettrai après. De toute façon, vous pourrez pointer devant le PNJ, vous changer devant, ça ne changera rien. Surtout qu'en fait, c'est une armure qui va pas être comme votre armure, elle va pas vous protéger. C'est-à-dire que si vous l'équipez maintenant, bah, vous allez perdre de la défense. Si vous êtes au même niveau que les mobs à côté, ça pourrait finir en drame. Donc, vaut mieux garder son stuff jusque devant le PNJ. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Je ne vais ressembler à rien. Je vous ai prévenu. Voilà, vraiment, là, je vous ai prévenu. Alors, le casque ne se voit pas parce que, bah, en fait, Viera, voilà, les Viera, on ne voit pas les casques. Et voilà. Oh, ça pourrait être pire. Vraiment, ça pourrait être pire. Presque sexy en tenue impériale. Est-ce que c'est normal? Non, c'était tout, hein, il me semble. Donc, voilà. Je dois reconnaître que tu as la classe dans cet uniforme impérial. Bon, je crois que je vais arrêter mes plaisanteries. Passons aux choses sérieuses. Comment ça? Je suis géniale dans cette tenue. Elle a l'air triste, regardez. Il l'a tellement roast. C'est pas très gentil. Récapitulons notre plan d'infiltration. Castrum Sentry est juste là. Ok. Je mange des cheveux. Unité impériale est... parti faire une patrouille il y a quelques minutes. Je crois que je l'ai encore dans la bouche. Bref. Elfino et moi allons créer une diversion pour les occuper. Pendant ce temps, vous trois allez entrer dans la base en faisant passer pour des soldats Garmaldet de retour de votre ronde. Si nécessaire, je vous contacterai par Lingperl. Soyez prêts à vous battre. Soyez prêts à battre en retraite, pardon. Moi, avec mes bottes, est-ce que j'ai vraiment l'air d'une impériale? Surtout avec mes gants, tu sais. Une 10 sur 10. Avec le petit panneau. Wedge pilotera l'armure Magitech et prendra la tête. Biggs et toi, Kara, restez près de lui. Je suis sûre que je n'ai pas besoin de vous dire ça, mais quoi qu'il arrive, ne révélez pas votre véritable identité. Oui, monsieur.
Ida et Yashtola étaient là un peu plus tôt, mais elles ont remarqué quelque chose et sont allées voir ça de plus près. Elles m'ont chargé d'un message pour toi, Kara. Ne fais rien d'imprudent. Oh, tu me connais mal. Prudence, c'est mon deuxième prénom. Je crois que c'est tout. La patrouille impériale ne devrait pas tarder à revenir. Vous feriez mieux d'y aller. Bonne chance à vous trois. Que les 12 vous protègent. Salut, petit GG pour ton level up. Merci d'être là. Ah, ouais, elle s'est pris une sacrée baignée. Hein, ça ne te rapportera rien de résister, tu sais. Nous avons besoin de votre pouvoir, de l'écho. Alors je dois te poser quelques questions. Dis-moi... Votre but est bien de vaincre les primordiaux, non? Puisque l'Empire s'en charge à votre place, pourquoi ne pas rester à votre place et obtempérer sagement? Alors, tu vas gentiment cracher le morceau et mourir rapidement, sans douleur, ou continuer de te faire humilier et agoniser dans d'atroces souffrances. Qu'est-ce que tu préfères, dis-moi? La chef des héritiers de la septième aube. Les sujets portant en eux le pouvoir de l'écho nous intéressent au plus haut point. Nous allons donc examiner ton corps dans ses moindres détails. Emmenez-moi tout ça au camp, pour un transfert au laboratoire de Castrum Meridianum. Compris. Oh, mes amis. Bon, elle est dans la merde. Voilà. En gros, il est temps que le plan de sauvetage arrive. Parce qu'elle est grave dans la merde. Donc ici... Faut saluer les impériaux. Wesh, poteau. Bien ou bien? Oh, excuse-moi. J'étais tellement absorbée pendant le travail que je n'avais pas remarqué que tu étais là. Crois-moi, tu ferais pareil si la commandante t'avait ordonné d'arranger le transfert de prisonniers. De quel prisonnier je parle? Eh bien, de ces héritiers de la 7ème aube. Que la commandante a capturé, bien sûr. Ils sont gardés dans la tour de dépôt et sous haute surveillance. Ok, on apprend des choses. Le décurio a des choses à nous dire également. On va aller le saluer. Et il va nous cracher toutes les infos alors qu'on n'a rien demandé. C'est trop bien. Repos. Bienvenue à Castrum Sentry, ingénieur. Hein? Les prisonniers? Ils sont retenus dans la tour de dépôt, mais tout ça ne te concerne pas. Le général Van Balessar vous a fait venir, toi et ton équipe, pour une mission particulière. Je vous suggère vivement de l'accomplir du mieux que vous le pouvez si vous ne voulez pas fâcher son excellence. Ouais, bah écoute, je vais le fâcher parce que je suis pas vraiment la personne qu'il croit que je suis. Oula, il a pas l'air bien lui. Il a pas l'air frais. Oui, c'est exactement comme ça qu'elle me salue dans mes rêves. Tu sais de qui je parle? Mais non, c'est pas du tout une femme aux cheveux blonds. C'est pour une jolie Laafel que j'ai le béguin. Il n'y a pas de mots pour décrire son charme. J'ai tellement envie de la serrer dans mes bras et de passer la nuit avec elle. Tu penses que le centurio me laisserait emprunter la clé pour que je puisse l'avoir? Ok. Bon, bah, le mec a un béguin pour une Laafel. Pourquoi pas? Pourquoi n'es-tu pas à ton poste? Si tu ne veux pas quelque chose, fais le salut et dis-moi ce que c'est. Attends,
J'ai fait le salut, non ? Ah non, je vais pas dire avec toi. Qu'est-ce que tu dis ? Tu as besoin d'aller à la tour de dépôt pour quelle raison au juste ? Un ordre de la commandante ? Voilà qui est inhabituel. Mais je ne tiens pas à subir sa colère si elle apprend que je lui ai désobéi. Tiens, prends cette clé d'identification. Rapporte-la moi quand tu auras fini. Oui, chef. Bien, chef. On te la rapportera pas, chef. On n'a pas que ça à foutre, chef. Le niveau de sécurité est vraiment élevé par ici. Exactement comme prévu, nous allons avoir besoin d'une clé spéciale si nous voulons passer ces murs. Tiens, cadeau. J'ai rapporté la clé. Je passe pas inaperçu avec mes gants quand même. Bon, eh bien. Nous voilà. On peut aller à la porte sécurisée. Dans une petite instance. Ma quête est actuellement 46. J'ai encore 4 levels avant la fin. Ou avant le début de la fin. C'est plutôt le début de la fin. Voilà. Parce que pas vraiment la fin, le niveau 50 en soi. C'est le début de la fin. De Realm Reborn. Seulement. Faut se calmer. Non! Oh, il y a Tataru. C'est Minfilia. Et les autres sont là aussi. Les dieux soient loués. Ils sont sains et saufs. C'est moi que vous voulez. Laissez-les partir. Laissez partir les autres. Si vous leur faites le moindre mal, je vous jure que je me tue. Ils ont encore leurs armes. C'est un peu bizarre de ne pas les avoir dépouillés de leurs armes. Un mage noir avec son bâton, même s'il est les mains attachées, c'est peut-être dangereux. Tataru. Nous devons faire quelque chose. Oh, il a le béga pour Tataru, c'est mignon. Nous risquons d'alerter tout Kasum Sentry, mais nous n'aurons peut-être pas de meilleure opportunité. Il ne reste plus qu'à attendre le moment propice. Ici, 3e escadre. Qui a-t-il ? L'armure Magitech nous a été subtilisée pendant une patrouille. Quand est-ce arrivé ? Et ce n'est que maintenant qu'on s'en aperçoit ? Bande d'incompétents ! Les coupables ne sont probablement pas loin. Envoyons des agents retrouver leurs traces. C'est maintenant ou jamais ! Vous nous avez retrouvés, pas besoin d'envoyer des agents. À toute Aïd, bon courage, bonne soirée à toi. Merci d'être passé, c'est très gentil à toi. Par tous les diables, ignorez cet ordre. Éliminez ces intrus. Ok. Vous êtes prêt à avoir un petit miracle ? Ah non. Apparemment, j'étais pas prête non plus. Ah, je vais défaire les liens de Papa Limo et Urianger. Oups! Ils sont morts trop vite. Mais c'est ça que je disais. Pourquoi on ne dépouille pas les prisonniers de leurs armes? Parce qu'ils étaient armés en fait, donc tu défaisais la corde et venais t'aider quoi. Kara, j'ai eu tellement peur. Mmh.
Vous êtes fou d'être venu jusqu'ici. Vous auriez pu vous faire tuer. Mais je vous remercie tous. Je frémis en imaginant ce qui serait arrivé si vous ne vous étiez pas... si vous ne vous étiez pas porté à notre secours. Quelqu'un a vu son cred ? Je commence à m'inquiéter pour lui. Il nous faut d'abord quitter cet endroit. Nous sommes encore entre les griffes de l'ennemi. Comment ? Les prisonniers se sont échappés ? Retrouvez-les ! Ils ne doivent en aucun cas sortir de cette base. Vous m'entendez ? Aucun cas ! J'en rajoute un peu. Pardon. Mais qu'avons-nous là ? Ah bah, je me disais aussi qu'il manquait quelqu'un. C'est bien la commandante Lilia Sasjunus, comme tu le disais. Tu as vraiment des yeux de lynx, Sida. Disons qu'elle est difficile à rater avec cette armure tape à l'œil. Maudits héritiers, comment avez-vous réussi à éluder nos défenses ? Assez facilement, à vrai dire. Il y a eu un vacarme fortuit dont j'en suis sûr tu es au courant. Et qui nous a permis d'entrer en toute sécurité. Je n'ai pas vraiment aimé le wagon. Il faisait trop sombre et trop froid pour moi là-dedans. Je vois. Vous avez donc joué au fantôme dans le train de ravitaillement. Il va falloir que je punisse mes hommes pour leur terrible négligence. La façon dont nous sommes entrés ici est le cadet de tes soucis, je te l'assure. Il y a beaucoup de choses dont tu vas devoir répondre, Livia Sasjunius. C'est toi qui as lancé cette attaque contre le refuge des sables et qui a massacré tous ceux qui n'ont pas été faits prisonniers. Oui, tu as tué nos amis. Nous ne te le pardonnerons jamais. Nous ne pouvons pas non plus te laisser menacer davantage, Eorzea. Prépare-toi à payer pour tes crimes. D'autres intrus, ils s'en prennent à la commandante. Ne restons pas ici. Viens, Ida. Oh, bah... Voilà, c'était un presque affrontement. Attrapez-les ! Où est son excellence ? Dans le hangar, commandante. Il est avec cet homme. Allez l'informer sur le champ. À vos ordres, commandante. Looping, tu veux bien arrêter ? Viens là. Viens. Je te sors après. Non, non, non et non ! Allez, pas... Ça manquait de conviction, mais bon. Les voilà. Dispersez-vous et encerclez-les. Looping, tu me casses les pieds. Il faut protéger Tataru. Biggs, je vais créer une diversion. Assure-toi que tout le monde s'échappe. Non, Wedge, ne fais pas ça! Fischer, je vais rester avec Minfilia et Tataru. Retenez-les, vous trois. Donc, Papa Limo qui est mage noir. Et Uriangé, je ne me souviens plus. Looping, j'ai dit non. Tu attends. Ah oui, il est... Érudit à première vue, mais il invoque pas de fée. Ah non, invocateur. Avec le carbuncle, évidemment. J'avais pas vu le carbuncle. Il y a un truc. Pourquoi il perd pas de vie ?
Est-ce qu'il y a quelque chose à faire en plus dans le combat? Un truc à activer pour qu'elle prenne des dégâts ou... Non, je dirais pas. D'accord qu'elle est invulnérable là tout de suite. Et ils ont dit quoi? Yeah. Pour le moment, ils ont rien dit. J'essaie de trouver une solution parce qu'elle perd pas un pet de vie. Moi, je pense qu'il faut les garder en vie, c'est tout. Ouais, sinon elle perd quand de la vie, puisque là... Moi je veux bien, hein, mais à un moment donné, il va peut-être falloir... Encore 10 minutes, d'accord? 10 minutes. Bon, sans doute un peu plus long, mais... À peu près. Bon, wow, bah écoutez, vu qu'on peut rien faire, dansons. Voilà. Pas si je suis allée trop vite sur une mécanique ou pas, c'est sur une, mais j'ai peut-être pas trouvé ce qu'il fallait faire, je ne sais pas. Voilà. J'ai trouvé. Quoi, il y avait vraiment un truc. Mais d'habitude, ils te le disent. C'est pas normal, il y a ça. Ah bah, il va mourir beaucoup plus vite. Bah écoutez, comme quoi, je suis juste pas avec les yeux grands ouverts, hein. Je pense que ça va être ça. Fais le tour, j'ai pas vu qu'il y avait un truc. Quelque chose me dit. Là-bas. Peut-être un peu plus par là. Nouvelle arme impériale. Ça devrait pas t'étonner.
Vous pouvez les tuer, mais la blonde doit être capturée vivante. Quoi ? Yajdola ! Désolée du retard, Minfilia. La classe. Papa Limo ! Minfilia ! Ida ! Tu en as mis du temps ! Vous allez bien ! Ils reviennent. Ils reviennent, j'ai, ils comptent pour du d'or. C'est l'heure de la raclée. La leur ou la nôtre? Papa Limo. Tellement d'optimisme dans sa voix. Tu leur as abandonné ton armure? Mais t'es bête ou quoi? Mais seul contre eux, j'avais aucune chance d'avoir le dessus. Mais qu'est-ce que... Wow. Ici Sid, vous m'entendez? Comptez jusqu'à 5 et tenez-vous prêt à sauter. J'espère que t'as bien calculé, mec. Sinon, il n'y a plus d'héritier, il n'y a plus d'histoire. 2. 3. 4. 5. Ton personnage n'a pas de voix. C'est dommage. Les discours des dirigeants fantoches et orzéens, porteurs de paroles stériles et couardes. Une farce jouée par des meneurs ineptes, inconscients de la futilité de leur pouvoir, et applaudis à grands cris par un peuple fruste et imbécile. Eh bien. Pauvres héritiers, comprendrez-vous un jour que seule la force compte dans ce monde? Seule la force pure peut gouverner, guider et protéger les peuples et les terres. Cessez de vous voiler la face. Seul celui dont la puissance dépasse celle des primordiaux peut garantir le salut des Orzéa. Quoi ? Qu'est-ce que c'était ? C'est l'arme qui a vaincu Garuda. L'Ultima Arma, elle est donc achevée. L'Ultima Arma. Il s'agit d'un vestige Alagua découvert à Alamigo. Une arme possédant une puissance ultime, capable de vaincre n'importe quel primordial et de réduire n'importe quel pays en cendres. L'Empire veut utiliser cette arme pour soumettre les pays des Orzéa. Sois maudit, Gaius. Tiens, regardez, à côté de Gaius. Oh, c'est un Assien. Cette tenue, il s'agit d'un Assien haut placé, un dirigeant. Mais alors, ce serait là, Brea ? Tancred ? Mais alors, cela à Brea, c'était Tancred ? C'est pas possible ! Salut Yume, comment tu vas ? On va plus tenir longtemps, il faut partir. D'ailleurs, GG Ozone pour ton level up. Tancred !
Tancred. Ouais. Bah au moins, maintenant, on sait où il est. Alors Tancred était en réalité la Abrea. Et en plus, c'est moi qui l'avais chargé d'enquêter sur les Assiens. Dire que je n'ai rien remarqué, je ne me le pardonnerai jamais. Ça veut aussi dire qu'il savait tout de nos agissements. C'est très fâcheux. Qui plus est, ils ont maintenant à leur disposition une arme d'une puissance phénoménale qui n'a fait qu'une bouchée des primordiaux. Nous devons absolument avertir l'Alliance Eorzéenne du danger de cette arme. Ce n'est pas le moment de nous lamenter. C'est celui qui vient juste de frapper dans un poteau. Moi, je dis ça, je dis rien. Enfin, au moins, nous sommes tous sains et saufs. Oui, tout va bien, merci. Est-ce que l'objet dont je t'ai parlé est prêt ? J'attends qu'elle parle. Oui, j'en aurai besoin au plus vite. Remercie bien ton grand-père de notre part. D'accord, la conversation a l'air d'être finie. L'ennemi a beau être puissant, c'est l'union qui fait notre force à nous. Héritier de la septième aube. Nous devons maintenant faire savoir aux cités d'Eorzea que nous sommes de retour et que Garuda n'est plus à craindre. Nous aurons encore besoin de vous pour le combat qui s'annonce. À bientôt. Mettons-nous en route. Nous devons parler aux dirigeants des cités-états sans perdre un instant. Elle est toute jolie, mine fille. Bon. Ah, ma cinématique encore. Alors, pas bon. Le dos droit, le dos droit. Ouais, je vais essayer, hein, mais mon... ma chaise est un peu pétée. Alors, que les 12 emportent ce salaud et sa fichue arma ultime arma. Pardon. Oh, j'ai envie d'éternuer. Ça chatouille. Que les troupes du Maelstrom soient mobilisées au plus vite. Transmettez à Slafirzin l'ordre de préparer à déployer la flotte immédiatement terminée. Le Maelstrom est prêt. Qu'en est-il des immortels? Aussi prêt que jamais. Roy assure le commandement en mon absence. Avons-nous des nouvelles d'Ishgard? Rien, ils n'ont pas daigné nous répondre. Notre appel a été ignoré, c'est bien ce que je craignais. Comment cet archevêque peut-il garder le silence dans une telle situation? Il y a de quoi douter que la conquérante soit leur déesse tutélaire. C'est vrai que Alon est une guerrière. Techniquement, ils devraient affronter leurs problèmes, pas les fuir. La Sainte Cité a fait son choix. Nous devons agir avec ou sans son aide. Ah, à boire aussi. À la tienne, t'as trop de points de chaîne, ça, tu sais plus quoi en faire. Nous devons agir avec ou sans son aide, ok. C'est sûr, il faut s'en servir. Dis-moi qu'il y a de la voix. Non, il n'y a pas de voix. Nous pensons que vous êtes tous au courant des termes de l'ultimatum que nous a lancé le loup noir. Nous devons décider de la marche à suivre. Le sort de tout Eorzea dépend de l'issue de ce conseil. Gaius Van Balsar déclare avoir le pouvoir d'écraser les primordiaux. Si nous capitulons, il nous promet de nous débarrasser de ces créatures. En cas de résistance de notre part, il a juré
de nous anéantir en même temps que les dieux des tribus barbares. Pardonnez-moi ma franchise, mais aucune de ces solutions ne me tente. Cette décision est trop importante pour que l'une de nos nations ne la prenne seule. Nous devons trouver une réponse tous ensemble. Prions pour que la sagesse nous aide à trouver celle dont nos peuples bénéficieront. Faut qu'ils se mettent d'accord, quoi. Ils peuvent toujours faire semblant de capituler, mais... le sort de Sancred nous préoccupe tous beaucoup, mais nous devons rester se concentrer. Tant que l'Ultima Arma existe, l'avenir d'Eorzea est compromis. Allons parler aux dirigeants de l'Alliance, Kara, et aidons-les à prendre la bonne décision. Ok. Alors, je vais juste me rechanger, hein, parce que ma tenue d'avant était beaucoup plus jolie. Voilà. Hein. On m'a envoyé en mission d'infiltration. Alors, je ressors mon blé à rien. Les nouvelles sont mauvaises. Il semble que les dirigeants d'Eorzea ont eu vent de l'Ultima Arma sous la forme d'un ultimatum de l'Empire. Ils sont réunis dans la chambre de l'encens et délibèrent sur la marche à suivre, au moment même où je te parle. Acculés comme ils le sont, je crains fort qu'ils notent pour la capitulation, y voyant la meilleure solution à cette crise. Et pourtant, il n'y a rien de plus éloigné de la vérité. Il n'y a aucun espoir de salut sous le joug des guerriers maldais et nos dirigeants doivent en être avertis. Dépêchons-nous, Kara, nous devons nous assurer qu'ils ne prennent pas de décision sans en connaître les conséquences. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va juste se TP en maison de compagnie. Talada. Non. C'est bien là, mais c'est sans les tickets. Ce serait dommage de les utiliser. Donc... c'est une fin de live pour ce soir. On a fait 2h39 de live, c'est pas trop mal. On va aller raid quelqu'un. On va peut-être juste mettre la... Non, c'est pas le Be Right Back, c'est Streaming Ending. On va y aller. Le de temps, tu sais. Alors, on a qui en ligne? On a plusieurs personnes... Et j'ai une personne sur Guild Wars qui m'a raid tout à l'heure. Il a juste un pseudo incroyablement compliqué. Faut patienter. Voilà. On va le raid en retour. Hellfest. Hop. En espérant que je l'ai bien tapé. Je vous souhaite une très bonne soirée. On sera de retour pour un prochain live à partir... de demain dans la journée sur je ne sais pas encore quel jeu, mais quoi qu'il arrive, à 18h, on fait du Monster Hunter. Et ça, c'est cru. Je vous souhaite une très bonne soirée, je vous dis à demain.